Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, donc un glitch assez amusant à faire sur Fortnite et pas un glitch qui cassera le jeu ou qui va casser les couilles aux gens. Donc voilà, alors je tiens à faire une grosse dédicace à Bahamut KO parce que ben il est là dans la vidéo, il m'a aidé un petit peu à faire le glitch, donc voilà, ça fait plaisir. Donc regardez ce que je fais, je mets une planche, je mets un trampoline, je vais sauter sur le trampoline mais en mettant un toit. Regardez bien, je saute, hop, je prends et là je vais en avant, direct je vais en avant et regardez, je vais planer, je plane comme ça à l'infini. Donc, c'est très compliqué à faire, je l'ai réussi du premier coup, j'étais choqué, c'était un truc de fou. Donc voilà, moi c'était la première fois que je le faisais, que j'y arrivais. Donc là ce que j'ai demandé à Bahamut qu'il fasse une rampe pour voir si je pouvais ouvrir mon parachute d'en haut. Et effectivement il va s'ouvrir mais je retombe directement. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen si je vais tout en haut d'une rampe. Le problème c'est que j'ai pas pu réessayer parce que après Bahamut est parti tout simplement pour faire la game parce que là moi j'y arrivais plus. Donc là j'essaye plusieurs fois, j'y arrive plus jusqu'à temps que la zone soit juste derrière mon cul qu'elle va redémarrer. Donc il m'a fallu 2 minutes pour le refaire. Et pendant ce temps, Bahamut il est mort, donc il est mort juste à la fin. Donc regardez, il y aura personne pour me mettre une rampe, mais il faudrait vraiment essayer. Franchement, je pense qu'on va pouvoir monter comme ça en planant, mais aussi utiliser son parachute juste quand on est tout au-dessus de la rampe. Donc ça pourrait vraiment être pas mal, stylé à faire quoi. C'est pas un glitch qui va t'avantager à faire des kills de ouf. Donc, regardez les gars. C'est mon dernier essai, je vois une seconde, je me dis ouais c'est bon, c'est mon dernier essai, est-ce que je vais y arriver? Pouf, j'y arrive, j'étais trop content. Mais regardez, je vais moins vite que tout à l'heure, je sais pas pourquoi. J'ai essayé d'appuyer sur sprinter, ben ça marchait pas. Après on peut pas changer les constructions. Si vous commencez à appuyer sur triangle, non j'ai pas essayé d'appuyer sur triangle. J'ai appuyé sur tirer, ça marchait pas je crois. Ouais non ça marchait pas quand j'ai appuyé sur tirer. C'est quand j'ai appuyé sur X pour ouvrir mon dragon que j'avais mes constructions en main et tout. Mais voilà, vous allez pouvoir voyager comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les autres ne vous voient pas comme ça. Les autres vous voient vous déplacer tout simplement avec le schéma de construction dans votre main. Donc ils vous voient marcher normalement. Mais vous, vous voyez un effet de fly, quoi, comme si vous volez en illimité. Donc voilà, c'est vraiment assez kiffant de le faire. Vous pouvez essayer tout simplement de le faire en cours de partie. Et, ou même le faire à l'un de vos potes. J'ai essayé de le faire à Bahamut, mais il n'était pas trop chaud pour essayer. Donc voilà. Mais le pire de tout ça. C'est que regardez, je suis en train de voler dans la zone, il me reste 30% de vie. Et regardez, là, c'est quand j'ai voulu prendre. Ouais, c'est quand j'ai voulu prendre Ouais, j'ai appuyé sur carré, je crois. Ou j'ai appuyé sur X. Non, j'ai appuyé sur X pour ouvrir le parachute. Et puis après, ça me l'a enlevé. Alors, le plus marrant de tout ça, hein, c'est qu'à la fin de cette game, je fais un top 1. Regardez-moi ça. Et je fais un top 1 sans faire de kill. Donc, regardez, hein. Hop, j'avance. Donc là je monte, là je sais qu'il y a un ennemi en bas à gauche là, je sais qu'il est là, il est là mais je sais pas, là j'entends la porte donc je crois qu'il était dans le petit carré là, j'ai entendu une porte, là et là il est là, regardez, je veux pas, je lui tire pas dessus parce qu'il est plus là et bam les deux, Katam a avalé sa chic et Tempête a emporté Kylian, donc les deux personnes qui étaient hors truc donc en duo, ils se sont fait tuer tous les deux par la zone et moi je fais un top 1. En plus que je venais juste avant de faire le fly, le petit glitch. Donc voilà, c'était assez what the fuck. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Et voilà. J'ai dit voilà au moins 5 fois dans la vidéo. En 5 secondes, MDR. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace.